La BMW M3 F80 CS, c'est clairement la meilleure des M3. C'est une boxeuse, une vraie furie. Dans l'ère actuelle où les autos sont sans saveur, elles essaient de prendre soin de vous au maximum, de rendre vos trajets les plus lisses. Celle-ci, c'est une grande baffe doublée d'un seau d'eau glacée en pleine tronche. En plus de ces éléments ultra distinctifs qui font qu'on reconnaît tout de suite une M3 CS, celle-ci est dans une teinte absolument magnifique, c'est le lime gray. C'est un gris ultra pailleté, sous ces lumières c'est pas forcément évident, par contre une fois au soleil c'est absolument incroyable, ça fait ressortir justement cette magnifique bosse de capot. Et un autre élément qui rend absolument exceptionnel cette M3 GTS, c'est évidemment son moteur, 3 litres, 600 lignes, biturbo. Ici elle est passée à 460 chevaux, 10 de plus que la M3 Compétition, 600 Nm de couple, c'est une vraie machine à fumer les pneus, et vous voyez aussi le capot en carbone mêlé à du plastique, ce qui lui rend évidemment très rigide, mais qui surtout perd 25% du poids par rapport au capot original d'une M3 Compétition. Et grâce à ça, la voiture aujourd'hui pèse 1585 kg. Franchement, pour la catégorie, c'est vraiment léger, surtout pour une 4 portes, 5 places. Évidemment, alors elle gagne 10 chevaux de plus, mais surtout ce qui est plus intéressant, c'est qu'en fait, tout simplement, la cartographie moteur et boîte a été changée sur cette voiture. Elle est beaucoup plus agressive. En fait, tout ce qui va être réponse à l'accélérateur, rétrogradage, mais aussi au niveau de la boîte de vitesse, la rigidité, tout ça a été changé pour avoir justement beaucoup plus de réactivité et de précision, ce qui rend vraiment la voiture sauvage. Et elle est équipée d'un différentiel électronique M qui a un tarage très spécifique, ce qui rend la voiture joueuse. Le châssis, lui non plus, n'est pas en reste puisqu'on est équipé de suspensions pilotées. Alors ça, c'est absolument génial. Que vous soyez confort, sport ou sport plus, bah forcément, le taraudage change et ça rend vraiment la voiture, ça la transcende. Même au niveau de la direction, ça la rend beaucoup plus lourde en sport plus. Ça vous permet évidemment d'avoir beaucoup plus de précision. Surtout, on en parlera quand on sera à l'intérieur, mais avec ce volant, avec l'énorme cerceau, c'est plutôt agréable. Et sur notre version ici, on est équipé d'un freinage carbone céramique. Alors, vous le voyez, ça remplit très bien les jantes et puis surtout, ça permet un esthétique assez cool. Et on a les magnifiques jantes CS, évidemment. Elles sont en aluminium forgé et le design est repris directement de la M4 de DTM. Et moi, une des parties que j'aime le plus sur cette voiture, bah, c'est l'arrière de la M3, que ce soit une CS ou non, parce qu'en fait, on a les grosses ailes qui sont hyper gonflées. On le voit très bien sur les images. Évidemment, on retrouve, donc, comme je vous ai dit, le diffuseur de M4 GTS, ici en carbone, et l'échappement en titane. La M4 et la M3 CS ont cet échappement, et surtout, ça rend la sonorité de la voiture beaucoup plus imposante. Je vous la ferai écouter juste après. On a bien fait le tour extérieur de cette CS, mais il y a aussi l'intérieur, forcément, qui a évolué pour gagner un peu de poids et puis pour la rendre plus exclusive. On va maintenant s'y installer afin de regarder ça plus en détail. Alors, c'est toujours un plaisir de se retrouver dans un intérieur BMW. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que pour moi, chaque élément est à sa place. Il n'y a pas de fioritures. Le design, ben, il me plaît, tout simplement. C'est relativement moderne, mais pas non plus ultra futuriste. Ici, on retrouve donc le tableau de bord avec le cuir étendu, mais aussi avec des touches d'Alcantara, que ce soit donc juste sur la planche de bord, avec le magnifique logo CS ici en découpe laser dans l'Alcantara. On retrouve cette même découpe laser sur le volant, à midi, pour avoir votre repère sur le volant. Et en parlant du volant, ça aussi chez BMW, c'est quelque chose que j'adore. Surtout sur la M3 CS, on a un cerceau de volant qui est ultra épais. Ça permet de vraiment bien l'avoir en main. Moi qui n'ai pas des petites mains, bah, ça me permet de vraiment avoir une maîtrise totale sur ce volant. C'est ce qui, à mon sens, rend la conduite d'une BMW M si spéciale. Ensuite, alors, on est sur la CS, il y a un élément qui justement a été décrié, qui a été débattu pendant des heures, c'est la clim manuelle. Alors maintenant, on est sur une clim donc du coup monozone, entre guillemets, il n'y a plus le bizone. Alors oui, ça peut déplaire à des gens, surtout quand on voit que on a le son Harman Kardon, donc là-dessus on a plusieurs haut-parleurs, et il grappille peut-être quelques grammes sur la clim.
Moi, je trouve que ça a du sens pour nous, les puristes, qui voulons juste une voiture excitante à conduire, qui voulons juste une voiture performante. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut se débattre. On est équipé aussi des sièges chauffants. C'est quand même cool, surtout dans notre région, il fait quand même un peu frais en hiver ici. Et en parlant des sièges, donc on est sur les mêmes sièges qu'une M3 compétition. Ici, dans une configuration qui est la même pour toutes les M3 CS. Donc on est sur un cuir noir et blanc. Les ceintures, quant à elles, elles ont ces petites bandes M. C'est un détail, mais c'est absolument superbe. C'est quand même gratifiant dans ce genre de voiture. Et on retrouve aussi sur l'appui-tête les petites bandes M. Voilà, c'est des détails, mais ça fait toujours plaisir. Le bouton de démarrage, lui aussi, change. Il est en rouge, c'est toujours un détail, mais voilà, c'est satisfaisant, surtout sur des voitures en édition limitée comme celle-ci. Évidemment non plus, pas de toit ouvrant, on est sur un CS, donc là on a le toit carbone. Et en parlant encore d'un abaissement des masses, ici, l'accoudoir central est supprimé. Alors, pareil, ça c'est quelque chose qui peut être débattu, puisque on gagne, pareil, quelques grammes. On a maintenant la prise USB qui est juste derrière le frein à main, c'est pas forcément non plus l'emplacement le plus idéal. Par contre, en termes de look, c'est une très belle pièce en Alcantara. Voilà, ça permet encore d'améliorer l'esprit CS. Et un élément que j'apprécie sur les M3 CS plus que sur les M4, c'est les contreportes qui sont, comme ceux des M3 Compétition, entièrement en cuir. Je trouve ça quand même plus esthétique que le contreport d'une M4 CS ou vulgairement, moi j'appelle ça en papier mâché. Et juste avant la conclusion de cette fabuleuse auto, je vous l'avais promis, je vais vous faire écouter le son de ce fabuleux 3 litres 6 cylindres. Vous venez de l'entendre, le son est absolument rageur, ça colle parfaitement à la philosophie de cette auto. Et en parlant de la philosophie de cette voiture, on sent que c'est une auto de conducteur, de pilote. C'est vraiment une voiture qui est entre guillemets drive focus. On élimine le surplus, on élimine ce qui n'est pas nécessaire au plaisir de conduite, parce que BMW c'est ça surtout. C'est leur slogan depuis des années et honnêtement il est véridique, il n'est pas surfait. La position de conduite d'une BMW à mon sens elle est quasiment parmi les plus parfaites dans la catégorie des berlines. Le volant, je vous l'ai dit, il est absolument nickel. Moi, c'est ce que j'adore, un gros cerceau. On a un beau rappel découpé au laser dessus. Tout est à portée de main. Le pommeau, justement, même si c'est une boîte automatique, il est vraiment parfait. L'ergonomie est parfaite, donc pour des passages de rapport au pommeau, c'est absolument sensationnel. Le moteur, là maintenant, avec sa programmation, avec son étalonnage spécifique à la CS, il est absolument dantesque, il est devenu sauvage, la boîte de vitesse elle aussi. Et ça permet réellement à cette voiture de devenir une auto vivante, surtout dans l'ère qu'on vit actuellement, où on cherche à avoir des voitures qui soient ultra confortables, ultra polyvalentes. Voilà, on veut que quand on soit sur sport, ça devienne une sauvagerie, et quand on revienne sur mode confort, ça devienne une vraie Bentley. Malheureusement, si la voiture est trop confortable, on va pas sur quelque chose qui va être exaltant à conduire. Cette BMW-là, réellement exaltante à conduire. Donc en gros, cette M3 CS, si vous êtes addict au power slide, addict aux voitures qui vous retransmettent des informations par le volant et par le siège, honnêtement, cette M3 CS, elle est quasiment parfaite parce qu'en plus, vous pouvez emmener les enfants de temps en temps à l'école, vous pouvez partir en week-end aussi, il y a un vrai coffre sur cette voiture. Donc ça donne vraiment tout son sens à la M3 et on n'est pas sur la sauvagerie de la M4 GTS qui est complètement exacerbée. J'ai presque envie de dire que les essayeurs en disaient à l'époque c'était trop. Là, on est pile poil sur le bon équilibre. Et c'est donc ici que se termine la review de cette BMW M3 CS. Si elle vous intéresse ou cherchez une auto en particulier, contactez-nous par téléphone ou via notre site internet. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et compte Instagram pour suivre notre quotidien et surtout ne rien rater de nos nouveaux arrivages. Prenez soin de vous et bonne route !